À Bouandougou, département de Mankono, dans la région du Béré, producteurs, encadreurs et partenaires de l'agriculture se sont retrouvés à la deuxième assemblée générale ordinaire de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou. Pour la campagne 2012-2013, la société coopérative a produit 2368 tonnes de noix de cajou avec un chiffre d'affaires de 570 millions de francs CFA. Bilan jugé positif par les membres. Avec les ristournes de la campagne écoulée, le conseil d'administration a pu poser de nombreuses actions sociales en faveur des populations. Nous avons aidé nos producteurs à construire des bâtiments et nous avons donné des prêts scolaires à nos producteurs. Pour les perspectives à venir, nous comptons améliorer notre qualité et améliorer nos tonnages que nous avons vendus. Nous comptons aussi et construire une salle de réunion d'une capacité de 100 places pour pouvoir mieux faire les formations. Au sein d'une coopérative, on y gagne. On met ses forces de production ensemble, ses idées ensemble, voir qui créer une synergie pour avoir de bons résultats en fin d'exercice. Créée le 4 septembre 2010, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a pour objectif la collecte, le stockage, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Il est à noter que cette société coopérative est la première dans la région du Béré à se conformer à l'acte juridique de l'OADA.